Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Quatrième dernier quart de finale pour le champion du midi spécial Coupe du Monde en direct sur Radio Plus, en Facebook Live, défimédia.info. Bon, ce matin, on vous trouve deux nouveaux visages, parce que des participants, des qualifiés, malheureusement, ils ont été désistés. Vu qu'ils ont beaucoup de choses à faire pendant la journée, je ne sais pas pourquoi pas être présents sur ce plateau, qui veut dire nous obliger, remplacer, nous déqualifier pour les quarts de finale par deux nouveaux visages. Et comme ça, l'émission vous vise à continuer. De toute façon, il y a un prix, non, des prix en or à remporter. Tout d'abord, un téléviseur 42 pouces de la marque Sharp, offert par Ideal Shopping Center, plus un smartphone de la marque Honor d'une valeur de plus de 20 000 roupies. Hier, nous avons assisté à un joli match, un même plus joli match de cette émission. Ryan Drapu face à Saoud Lal Mohamed. Personne pas qu'il est, personne pas l'orgue. À la fin, c'est Ryan Drapu qui n'a le rejoint Fabrice Bloch et Jonathan Bardetier en demi-finale. Aujourd'hui, là, sur ce plateau, vous bien gâté, ma légende vivante qu'il a, la légende du football mauricien. Tout d'abord, merci d'applaudir le Père Noël. Non, mais c'est la façon dont la barbe est poussée. Ah bon. Sanju Garous encore, s'il vous plaît. Ouais. Oh, Sanju Garous encore, bonjour. Bonjour, Manden. Ça va? Ça va. Côté bien aller sur la barbe là. Direction. Non, mais là. Je vais faire Père Noël pour mon petit-enfant. Ah, mauvais dire. Ouais. Il y a encore quelques jours. Encore. Ouais, il vous pousse un peu là, ouais. Il vous pousse un peu. Il vient tout. La voilà, il pratique lui là. Ouais. Costumine pareil. Sanju Garous encore. Qui s'en a pas connu lui? Ancien footballeur. Indu Cadets, Fire Brigade, Sunrise, Maibu United. Plus connu comme Bayeux le haut terrain. Bayeux, passe-moi là, Bayeux. Ouais, ça qui dit Bayeux. Sanju. Quand on a un ticket, Jeux des Îles 85, qui est encore frais de la tête, j'espère. Ah oui, Jeux des Îles 85 reste mémorable. Ça, c'est mon cas. Toute la nation mauricienne encore rappelle le Jeux des Îles 85, parce que c'était là vraiment, quand tu te sens vraiment mauricien, oui. Et tu fais un grand tournoi, même si c'est difficile pour un moment. Et surtout le regretter Désiré Lenclume, qui tient nous dans base le dernier match. Et avec surtout le tout jeune Elvis Antoine qui te manque le dernier penalty. Oui. Mais tu sais l'euphorie. Hein, si je me raconte toi, du monde fin marché depuis qu'il y a pu jusqu'à Rosil, une soyez nous bis. Nous fin parce que nous n'allons bien avant du monde pour qu'il nous puisse passer. C'était jamais vu et vraiment c'était extraordinaire. Hein. Surtout le football, il rassemblait du monde, il rassemblait une population. Et finalement, surtout, la gaieté. Et tout le Mauricien est extra content. Hein. Et en plus, il y a un petit incident, le demi-finale qu'on a utilisé contre Madagascar. Oui. Et surtout, personnellement, quand je suis blessé, dans mon tirant d'un cafouillage. Et ça m'a oublié parce qu'il m'a quand même resté le mot à la tête. Parce qu'il était coude déjà là. Oui, c'est vrai. Oui, il me rappelle Dr Naraidou, mais. C'était avec du cœur, avec la passion, avec un stade tout pour toi, mais coupé, cassé, peine à rien. Tu bats le pénalty, ça joue là, ça joue. Non, tu gagnes 3-1, mais dernier match qui tient le pénalty. Contre la Réunion, contre Mouba, tu joues parce que tu es blessé, moi je ne peux pas. Bon. Ouais. Mais ça joue, vu qu'il venait là même, grand fan de Sunrise. Sunrise, c'était un autre niveau. C'était le semi-professionnaliste. Les dames qui m'ont quitté à Bouguet pour prendre Sunrise, c'était le semi-professionnaliste. Écoute, pense-toi à la case. Un Bouguet avait une loto, une sieste à la case, puis j'étais à Vinze Football pour son équipe. C'était M. Jones, Paul Jones, à l'époque. Et franchement, tu montais une équipe, c'était. Bien passionné, un beaucoup moins Paul Jones qui t'y compte en football, en anglais surtout, qui adore le football et qui a envie d'amener le football mauricien à un certain niveau. Ouais. Et tu réussis. Pendant 13 ans, nous finissons ce qu'il y a au niveau du football. Nous tenons un bon adversaire aussi. La Fabrette finit toujours présent d'être un bon adversaire. Le Scouts Club aussi, tu montais
et cadets club aussi, pareil. Mais disons qu'à cette époque-là, le football, il y avait un autre niveau. Mais justement, Sergio, sorti fire par le Sunrise, ben si beau t'es là, ben si beau t'es fire, quand on retrouve l'autre avec sa t-shirt zone là. Non, ça, le type passe facile. Mais ce qui est une cadette, une femme bouguette. Ah oui. Ça, c'est difficile. Ça, c'est l'autre histoire. C'était ça. Hein. Moi, tu crois d'un. À l'époque, moi, tu crois d'un style, une façon de vivre qui t'appelait un seul peuple, une seule nation. Et moi, tu as envie de montrer l'exemple. Et c'était là où moi, tu quittes le Hindu cadette pour aller pour la femme bouguette. Applaudissements pour Sergio Garros-Angor, s'il vous plaît. Sergio, il a beaucoup à raconter. Mais s'il nous cause sur l'adversaire qui est en face, il n'a plus beaucoup encore pour lui raconter. Fiam ou d'applaudissements, s'il vous plaît. Donne pas une bibliothèque, donne une devant moi. Légende du football mauricien, Cham Oudot. Cham, bonjour. Bonjour, Benon. Ça va, Cham? Ça va, merci. Écoute bien là, hein, c'est qui ça ou de l'allemand, mais dis-moi, Diaou. Ouais. Le plus fin buteur de l'histoire du football mauricien, un gentleman très discipliné, pas discipliné, très discipliné, très respecté dans le monde du football, un grand personnage, meilleur buteur, 3 ans meilleur buteur, une jouée devant 23 200 personnes face à Tottenham. Tu jouais contre Tottenham. Mm-hmm. C'est Maurice. Où je mets goal, non? Penalty le Pat Jennings. Et ça, donc là, pas d'un c'est numéro 1 dans le monde. Ouais. C'est pour les Londino. Oui. 74, je peux vous dire. 74. Et sa pénalité là, quand c'est sur Maurice, tu peux ça à l'époque là. Comme toute l'équipe d'ailleurs, entraîneur finit dans le vestiaire qui s'appuie ta pénalité. Et c'est sur Maurice, tout le temps, c'est Robert Agnus qui t'a pénalité. Parce qu'il s'appelle puissant, il tape bien fort. Et il tape tout le temps côté droite. Oui. Je vous pose contre Tottenham, la veille, tu fais un petit pénalty au stade Zozin. Hein. Là, tu n'étais pas Jennings, tu peux barrer. Quand tu tapes tout le côté droit, tu barres. Ça joue là, tu as un pénalty. Au Benel, d'ailleurs, fini, il prend un boule, il y allait. Il est stade Zozin, il tapait. Et là, ma maman dit, il y a un fait tacticien. Hein. Oui. Il dit, France Moutou, il n'allait pas taper. Parce qu'il connaît s'il tapait, pas Jennings pour barrer parce que vous êtes côté droit. Il dit, ça va le taper. Moi, j'ai dit, moi, je prends un boule, moi, je prends un boule. Qui passait dans la tête, là, à ce moment-là, quand il prend un boule, il peut poser, là. Là, moi, j'ai dit, moi, peut-être, ta boule, un numéro 1 dans le monde, là. Parce que la Coupe du Monde, n'est pas l'équipe Maurice, ça. Ça a déplacé un numéro 1 dans le monde, ça. Est-ce qu'il a la tête finie, connaît, qui... Et moi, j'ai sacré, moi, je connais que pour taper, moi. Tout vous êtes là, le boule rentre de gauche. Mon équipe vini, tranquille, calme. Parce que moi, je pense, moi, je pense. Mon équipe vini, mon équipe vini, mon frère, comme ça. Tapé côté gauche, ils étaient comme ça, les boules à rentrer. De moi, je vais amener pour nous, je vais amener pour nous, je vais amener les boules à rentrer. Et Cham Gambi raconte ça, bravo. Cham Gambi raconte ça, surtout une pelouse, là, dans le studio. Il finit, moi, Mazini, l'autre terrain, là, tout le monde qui est bon. Ça va rester mémorable, ça. Super, c'est extraordinaire. Mais quel duel aujourd'hui dans le champion du midi, quart de finale, Sergio Garros-Angor face à Cham Oudot. Premier manche, Pickpool. Il y a un BCD devant Zot. Cham, vous trouvez comment ça passe là? Oui, oui. Vous les clés vous pancotes. Comment vous avez la bonne réponse? Sergio, correct? C'est bon? Première question. Quelle couleur peut-on définitivement voir sur le maillot de l'équipe d'Argentine? Qui couleur est-on capable de trouver le maillot de l'équipe d'Argentine? Est-ce A, jaune, B, bleu ciel, C, bordeaux ou D, vert? A, jaune, B, bleu ciel, C, bordeaux ou des verts affichés. Sergio Garros-Angor, tourne. Là, ouais. C'est mieux. Qui couleur? C'est un chipoulet ou pas encore? T'as charme du monde? Bleu ciel. Non, le chichi vient d'image. Non, moi, je fais pas. Ah, quoi ça? Bleu ciel? Bleu ciel. La réponse B, charme? Exactement, 5 points chaque. Ça commence bien. Et comme prévu, l'Argentine aborde la couleur du... aborde la Coupe du Monde de Qatar dans son traditionnel maillot bleu ciel et blanc, tandis que leur kit away est violet au lieu de bleu marine. Deuxième question. Combien de buts ont été marqués par l'Uruguay contre le Ghana le 2 décembre 2022? Combien de buts ont été marqués par l'Uruguay contre le Ghana le 2 décembre 2022? Est-ce A, 0, B, un seul, C,
2 ou D plus qu'ID. A, 0, B, 1, C, 2 ou D plus qu'ID. Plus de 2. Affiché. L'Uruguay-Ghana. Imagine bien ce match-là. Lève-vous, mon gars. Je vais me cacher dessus, mon gars. Tu me dis, on va à la table. Get ça, Dieu, comme ça. Oh Dieu, allez, les boutons, nous guettons. L'Uruguay-Ghana. L'Uruguay-Ghana. Tu as pas guetté football, ça depuis que. Et il y a dit devant ce coup-là. Ouais. Ma prochaine ticket. Maman, plus pour moi, c'est fini, c'est fini. Allez, sors Dieu. B, c'était quoi? B, un seul goal. Un but. Oui. C, 2 ou D plus qu'ID. A, 0, B, 1, C, 2 ou D plus qu'ID. Allez, sors Dieu. Oubliez-la, sinon. Mon poil. Chiam. Comment? D. D plus qu'ID? Idée. Une bague Ghana plus qu'idée. Ouais. Et Sordiou? Ah. Zéro? Zéro, c'est un match nul, ça. Non? Lors du match Uruguay-Ghana, joué le 2 décembre, Georgian et Aras Keita a marqué 2 buts pour son pays, qui veut dire la réponse C, l'Uruguay, qui veut dire au 26e et 32e minute. Ça joue là. Pas grave, pas de points pour cette question. Troisième question. Lequel de ces pays n'a pas le terme lion dans son surnom? Lequel de ces pays n'a pas le terme lion dans son surnom? Est-ce A la Belgique, B le Maroc, C le Sénégal ou D l'Angleterre? Laquelle qui nous appelle Liban lion? Est-ce A la Belgique, B le Maroc, C le Sénégal ou D l'Angleterre? Affiché. Sordiou Garous encore, m'écoutou? La Belgique. La Belgique? Comment va la Belgique tout à l'heure? Les Belges. Pourquoi la Belgique? Les. Par exemple, Manchester United, là. Le 3 là, il a Lyon, ça n'a pas de chance. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges, chien. Les... Ah. La Belgique? Exactement 5 points chacun. Les Lions de l'Atlas, Maroc. Oui. Sénégal, les Lions de la Teranga. Angleterre. Et Free Lions. Free Lions. Quatrième question. Al-Rila. Al-Rila est le nom officiel du ballon de la Coupe du Monde pour quelle année? S.A. 2002, B. 2010, C. 2014 ou D. 2022? A. 2002, B. 2010, C. 2014 ou D. 2022? Même boule football est dans ce nom. Al-Rila. À l'époque, pas tiens ça, en boule là. Pas si bien, non. Non, tiens là. C'est bien, tiens là. Tiens là. Vous pensez 2022. Affiché. Mon pick pool, moi aussi. Une pick pool, Charme? Ouais. Qui veut dire D? D. 2022? Ouais. Sordiou? Oui. Exactement, 5 points chacun. Quelle réponse à l'idée, Bonzut? Aïla. 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 Al Rila. Bon, allez, si Mané était neutre, Bégard a trouvé. Oui, Bégard a trouvé. Monsieur Kato, vous avez vu ça, hein? Oui, Al Rila est le ballon officiel de cette Coupe du Monde et signifie le voyage et l'excursion en arabe. Cinquième et dernière question. Qui est le capitaine de l'équipe nationale du Japon? S.A. Sun Heung-min, B. Maya Yoshida, C. Atiba Hutchinson ou D. Granit Xhaka? A. Sun Heung-min, B. Maya Yoshida, C. Atiba Hutchinson ou D. Granit Xhaka. Affiché. Nupekoz, capitaine du Japon. Allez, vous êtes Sordiou qui vous pouvez dire moi? Qui vous proposez? C'est B. B. Maya Yoshida. Yoshida. Ah, cool ça. Il y a un nom japonais. Sun Heung-min, il y a un peu plus Corée. Corée, oui. Et Granit Xhaka, nous connaissons. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Moi, je suis Big Bull. Donc, Big Bull, là, Wallis, Sun Heung-min, Corée du Sud, mais bon, c'est moi. Ouais. Maya Yoshida, 5 points pour Sordiou. Il prend il avance. Footballeur professionnel japonais qui joue en tant que défenseur central pour le club de Bundesliga, le Schalke 04, et qui est capitaine de l'équipe nationale du Japon. Et Sun Heung-min, capitaine de la Corée du Sud. Terminé. Voilà. ABCD. Close. Ramasse tout le monde pour encore. Mets d'un petit coin Sordiou et Chiam. Là, nous entame directement le deuxième manche. Un thème imposé. Merci à nos partenaires Super U, Honor, M-Corp, Pepsi, All Sport et Mad Max.
qui trouve le magasin Mad Max qui trouve à Kirby, premier étage, Sun Shield Center. Et aujourd'hui, Mad Max peut sponsoriser moi le t-shirt du Portugal sur CR7. Messieurs, nous devons imposer, c'est l'Allemagne. Oui. Vous avez joué contre l'Allemagne, Charme? Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tandis, vous avez joué contre l'Allemagne? Non, pas joué, mais voilà. Club allemand, peut-être? Si. Si. Nous avons contre Bayern Leverkusen. Nous avez contre Bayern Leverkusen, papa. Oui. L'ordoise de la main. Yeah. Vous êtes rapide, là, Charme, hein? Oui. L'ordoise de la main. Tiens, moque. Tiens, bousson le moque, plutôt. Oui. Vous êtes rapide. Ouais, ouais. Tu comprends moi là? Ouais. Pour moi, avoir une réponse, écrire, afficher. Avant votre camarade. Correct? C'est bon? On y va? Mm-hmm. Première question. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Tout simplement. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Jouez chez vous en commentaire, défimédia.info, Facebook Live, Sorgio Garou 5 ans premier. Mettez bien devant vous, Sorgio. Hein? Non, affichez bien. Mettez vous tout de suite. Ma internet qui a trouvé. Oui. La caméra là, lila. Ok. Qui vous l'écrit à Sorgio? Munich. Munich. Chiam. Munich. Eh ben non, c'est Berlin. Nous tout rentre dans sa pièce. Berlin, la capitale allemande. Et le mémorial de l'Holocauste et le pain restant du mur de Berlin sur lesquels les graffitis ont été peints témoignent de son passé tumultueux. Moi aussi, moi, vous... Bah, il y a le Munich. Il y a Munich. Moi, tu me rentres dans sa pièce. Non. Deuxième question. Combien de fois l'Allemagne a-t-elle remporté la Coupe du Monde de football? Combien d'étoiles Yéna? Le ce maillot. Dommage, mauvais pote, le maillot du Portugal. Tu vas pas se tenir. Affiché, comment écrit affiché? Mon tour, on écrit avant, chame, un tour de boulet, ça l'a de hasard. Bon, tout le monde va sortir toujours. Nous guettons, non, on continue à afficher. Nous guettons. Sortir qui on écrit? 5. Pensez? Mais 5, 6, 5. Ça veut dire 5 étoiles. Avec moi, Brésil. Non, il pas capable, par exemple. Pas capable. Brésil, il y a mis un. Ouais, plus. Un plus. Il y a 4. Mais Chiam Moudot qui veut dire 4, exactement, 5 points pour Chiam. L'équipe d'Allemagne compte l'un des palmarès de Coupe du Monde. Non, mon vie, mais. Brésil, il y a 6 là. Donc, il boule cristal, longue ça. Ça, c'est. Hein. Non, bah quoi. Pays-Bas. T'as quoi? Allez, c'est tout pour étonner. Non, on va bien rêver, moi. Si, à la même. Troisième question. Citez le gardien de but de l'équipe d'Allemagne. Là, actuellement. Le gardien de but de l'équipe d'Allemagne, comment y appeler? Vite. Affiché. Ah, il y a un chien, il y a trop de mémoire. Ouais. Manuel Neuer. Oui. Non, mais qui vous l'écrit là? Neuer. Non. N-E-U-R. Vous devez l'écrire Neuer, du moins. Neuf, ça. N-E-U-R. Bon. Vu qu'il n'y a pas d'affiche. Ouais. Si vous cherchez Neuer là, bien, vous suivez le point là. On ne peut pas gagner, mais nous ne l'avons pas venu. Oh. Allez, correct, 5 points pour Sorgio Garou encore. Manuel Neuer. Devient le gardien le plus capé de la Coupe du Monde avec 19 matchs. Quatrième question. Si on va tromper, Hugo Lloris, c'est de dépasser. Hein, à vérifier quand même. Dans quel groupe faisait-il partie lors de la Coupe du Monde 2022? Numéro de l'Allemagne. Hein. Dans qui groupe l'Allemagne, Tifon Borti, dans cette Coupe du Monde 2022? Il y en a A, B, C, D, E, F. Je vais mettre N là-dedans. Qui groupe? Je vais aller. Allez, Mouili. Tout de même, moi. Allez. 4, 3, 2, 1. Sorgio Garou 5 ans, une affiche, une lettre au moins. Qui vous écrire? Groupe D. Groupe D, Chiam. Qui vous écrire? A. A. Eh bien non, c'est groupe E. Groupe E avec le Japon. Je vous rappelle, Japon, qui battait l'Espagne et l'Allemagne. Vous m'avez une question pour Hilo, là. Oui. Madame, vous avez ça, là. Vous avez un groupe, vous avez un groupe. Vous voyagez, Windows Studio Radio Plus. Ouais. Tout effacé. Cinquième et dernière question. En quelle année? En quelle année l'Allemagne a accueilli la Coupe du Monde? Non, a remporté la Coupe du Monde, pardon. En quelle année l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde récemment, là, dernier, ce dernier-là. Ce dernier Coupe du Monde. Ce dernier, récemment. Dernier Coupe du Monde de l'Allemagne. Allez, vous avez un goût?
Le Denali? Pas sûr. Toujours. Il affiche quelque chose. Qui on écrit 2014. Sordjou est mon premier là, non? Oui. Vous avez dit ça? 2014. 2014 pour Sordjou Garoussanko. Chiamoudot. 2018. 2014. Bonne réponse. 5 points pour Sordjou. Ben oui, tout d'abord, premiers étoiles en 54, deuxième 74, troisième 90 et 2014, si je ne me pas trompé, c'était face à l'Argentine. L'Argentine, oui. Messi rate sa Coupe du Monde là. Mm-hmm. J'espérais d'y rattraper. Voilà, terminé concernant nous thème imposé, correct. Observez l'ordre encore. Là, nous pouvons entamer la finale dans quelques instants. Nous rappelle, dernier quart de finale. Qui de Sordjou Garoussanko, Chiamoudot pour qualifier pour les demi-finales. La réponse, c'est dans quelques instants. A tout de suite. Est-ce que vous détenez une police d'assurance avec la LIC? Pour que votre police d'assurance ne soit pas interrompue, assurez-vous que votre carte d'identité et une récente preuve d'adresse soient enregistrées à la LIC. Étant détenteur d'une licence de la FSC, il est requis à la LIC de s'assurer que tous les renseignements du client soient soutenus par les documents officiels. Veuillez contacter votre agent ou la LIC sur 211-04-65 en mentionnant les numéros de votre police d'assurance pour s'assurer que tous vos documents soient mis à jour comme réclamé par les demandes de la FIAMLA 2002 et toutes les lois régulateurs du pays. Cœur de ville, My Mall. L'année qui peut coûter, Honor propose Urban super deal que tu es capable de gagner un top smartphone pour moins que 10 000 roupies. Honor X6 avec ses 3 caméras OIR et ce batterie qui tient extra longtemps, il y a seulement 7 990 roupies. Honor X7 qui est encore PCIe, il y en a 4 caméras OIR, 4 Go RAM et qu'une mémoire interne 128 Go, il y a seulement 9 490 roupies. Et là, Honor déjà a tout service Google installé, puis il y a 200 garanties et que smartphone là bien secure. Venez découvrir les smartphones Honor dans les succursales de Quartz Mammouth. When Pepsi meets Lay's. We go together like a beat and groove. We go together like a party in summer. You know that we gonna make everyone turn their heads. De retour pour nous, troisième manche, la finale pour nos derniers quarts de finale, Sordjou Garoussanko face à Chiamoudot. Nous allons pile ou face, hein, Chiam, pile ou face? Pile. Pile, je veux dire face pour Sordjou, non, bonne point, c'était là, nous utilisons le suspense, on va lire dans l'air, ligne tournée. Et c'est face qui veut dire Sordjou Garoussanko qui commence en premier. Correct? Fais silence sur le plateau. Sordjou Garoussanko, plus connu comme Bayou, au terrain. Allez? Yeah. Top! De quelle édition sera la Coupe du Monde 2026? C'est-à-dire combien? Deuxième, troisième, quatrième?
Ou plus? Combien y'a? 12. 12e, non? Passe. Quelle est la hauteur du trophée de la Coupe du Monde? Combien centimètres de hauteur? Vous pensez à peu près un 15? Non. 15, 20, non. 25, non. Nous prend beaucoup les temps, l'eau. Cette première question-là, Soju, terminée concernant les secondes. De quelle édition sera la Coupe du Monde 2026? 23e édition de la Coupe du Monde de football masculin. La hauteur du trophée de la Coupe du Monde est 36,5 cm. 36,5 cm de haut. C'est le tour de Cham Oudot. Dans les Cham, on a une place en demi-finale là? Allez. Top. Essayez. Combien d'équipes participera à la Coupe du Monde de 2026 au total? 36. Non. 40. Non. 44. Non. 40. Non. 38. Non. Passe. Combien pèse le trophée Coupe du Monde 2022? 12 kilos. Combien? 12 kilos. Non. 10. Non. 8. Non. Vous prenez ce gain droit, passe. Passe. C'est normal, les autres questions en Coupe Bévinine. Aïe, 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 pas grave. Combien pèse le trophée Coupe du Monde, de la Coupe du Monde 2022? Si vous voyez moi 6 kilos, moi tu vous prends. 6 kilos. On peut descendre, on peut venir par exemple. Combien d'équipes participera à la Coupe du Monde de 2026? 48. Cette édition sera la première à réunir 48 équipes au lieu de 32. Vous prenez l'eau, 44, mon ami. Ouais. Première fois par exemple, hein. 48 équipes. Terminé, nous allons aller trop loin dans cette finale pour les questions. Madame Gavès, donne-moi le verdict. Ça va, Julie. Oui. Qui de Sarju Garoussanko, Chamoudot, qui vous qualifiez pour les demi-finales qui s'annoncent palpitantes? 40-20, pour la sûrement. 40-20? Non. On sait? Vous, les internautes, là, en commentaire, mettez Sarju ou Cham, d'après eux. C'est bon, Gavesh? On est bon? Très bien. Le champion du midi sur Radio Plus, défimédia.info, la chaîne YouTube Télé Plus, qualifié pour les demi-finales. Soju Garoussanko, bravo! Soju, 30 points. Chien Moudot, 15 points. Bravo, Chien, bravo. Bravo. 40, bien. Chien, félicitations. C'est un plaisir. Surtout, vous connaissez, malheureusement, Mangetou joué, pas dans sa génération dans les années 70. Mais quand même, comme dans Saoud Lal-Mohamed, comme dans Saoud Jugaroussan, quoi, cause Cham la bouche pleine, vous connaissez une légende devant moi. On a Lionel Messi devant moi. Au contraire, merci Brandon d'avoir invité Cham, parce que moi, nous toujours à droite, à gauche, nous causons souvent la radio. Mais ça, c'est un joueur qui nous moque, le football. Il y a encore comme Ali, comme ça, hein, il y en a beaucoup qui l'a. Qui nous a rendu hommage, parce que c'est eux qui gardent le football très haut. Bon, on est sous d'accord avec moi, Sordiou, même Chiam, mais nous pouvons inviter tous ces légendes là autour de la table. Ah, il y a encore baisé, Chiam encore joué, hein. Nous me disons le plateau, une émission spéciale. C'est intéressant. Oui, le football à l'époque, Fire Sunrise. Vous êtes visite? Vous avez un t-shirt Fire Sunrise sur là? On a un Ducadet, Fire, Sunrise, Mab United. Si vous qualifiez pour finale, vous m'amenez. Vous avez une petite affaire. Football, ça qui m'a raconté là depuis le football Maurice, section Maurice. Une seule fois, Maurice ne réussit pas à être dans la finale Coupe des Nations, en 1974. Oui. Ça, c'est vraiment un grand joueur à l'époque là. Hein? Mm-hmm. Les cadets, Fayette, Dodo, Racing, Scal. Beaucoup de joueurs, bon. Toute l'équipe d'ailleurs, c'est bon. La Roussal gagne, quand toute l'équipe bon, niveau là, l'autre, tout le monde est bon. Ça, même l'équipe nous réussit à aller dans la Coupe d'Afrique, c'est ce qu'on dit là. 40 ans passés, pas encore allez. Pourtant, nous pouvons gagner toute facilité. Je me rappelle, la pitié est tombée. Cham Oudot mettait la tête plongée contre Tanzanie ou les autos? Les autos Tanzanie, c'est une goal. Je me rappelle. Madagascar. Alors, on dit ça. On continue sur l'émission là. Mais ça fait moi plaisir d'être là ensemble avec Cham parce qu'il.
Mon assisté qui est plus de football. Ouais. Nous trouve un footballeur qui est spectateur de télévision là devant nous. Et, merci beaucoup, Siam. Nous avons plaisir de rendre l'antenne. Les FP traversés. Nous avons beaucoup à dire. Beaucoup, c'est un bon Boris. Ça vient, l'émission a beaucoup causé. Ça joue qualifié, demi-finale. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Et quand vous revenez, là, Boba, pour son complice. Et nous vous disons, c'était Rondon Spinelli. Ciao, bye bye. Bravo. Thank you.